Hey, bienvenue à toi qui est connecté présentement sur notre célébration de Pâques fait par Acts 21. Hey, je me présente, mon nom est Jasmin Pierre et je suis un des pasteurs ici à Acts 21 et je tenais à vous souhaiter la bienvenue. Peut-être que tu ne connais pas qu'est-ce que c'est Acts 21. En fait, Acts 21, nous sommes une église qui se regroupe principalement à Sherbrooke et à Magog et durant la COVID sur tous les internets. Et pour vrai, nous sommes vraiment une église qui désire être axée sur le 21e siècle. Donc, qu'est-ce que c'est? Dans le fond, on est une église, on croit en Dieu, on croit en la Bible, on croit en Jésus, mais on croit vraiment que non seulement Dieu, Jésus, la Bible, mais on croit que tout ça est encore très pertinent pour aujourd'hui et que l'église est encore pertinente pour le 21e siècle. Donc, merci à toi de te joindre. Et si tu fais déjà partie de la communauté Acts 21 de Sherbrooke ou de Magog, je veux t'encourager, et même toi qui nous regardes présentement, peut-être à partager le lien de l'événement présentement sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, peu importe le réseau social que tu utilises, mais partage cette vidéo à plus de gens possible parce qu'on croit que ça va être vraiment pertinent pour vous, mais également pour votre famille, vos collègues de travail, pour vos voisins, pour vos amis. Bref, je crois que les gens de partout au Québec présentement ont besoin d'entendre parler du message de Pâques. Et vous savez, aujourd'hui, on célèbre Pâques. Et Pâques, on sait que c'est vraiment une histoire qui est arrivée voilà plusieurs milliers d'années, voilà plus de 2000 ans. Mais nous, à Acts 21, on croit que la Pâque est encore actuelle pour aujourd'hui et impacte encore des vies aujourd'hui, en 2021. Et la réalité, c'est que lorsqu'on pense à Pâques, ça aurait pu commencer par être un pire flop. De dire qu'il y a un homme qui est sur terre et qui grandit pareil comme nous, qui naît comme bébé, qui grandit et que par la suite se dit d'être un maître, se dit d'être Dieu sur terre, se proclame Dieu, mais par la suite finit par être cloué sur une croix, tel un malfaiteur, tel comme le pire des criminels. Et ça aurait pu finir là et être un total flop. Mais, trois jours plus tard, il ressuscite. C'est la première fois qu'un homme vint la mort, qui a la victoire sur la mort et la victoire sur tout, toute la mort entière. Et ça, c'est encore pertinent pour nous aujourd'hui et c'est ça qu'on veut célébrer. Comment la victoire de Jésus-Christ, qui a vaincu la mort, peut avoir encore un impact sur ton quotidien, sur mon quotidien aujourd'hui. Alors, je ne veux pas t'en dire plus. Assis-toi confortablement. Bonne célébration de Pâques et on se revoit à la toute fin. Bye demain.
porter mes fardeaux, à essayer de m'abreuver, à tout plein de puits qui me laissaient aussi vide que mes souhaits, à creuser par mes propres efforts pour trouver la source d'eau. Mais je restais déshydraté, à avoir tellement soif, à bout de souffle et plus de force, écrasé sous le poids de mes choix. Et je me suis mis à genoux pour prier Dieu quand le mal voulait que je m'assoie. Car c'est dans la prière que la vérité fait taire les mensonges qui me faisaient croire qu'une vie sans Dieu, j'aimais ça. Et j'étais poigné dans une tonne de chaînes, mais entouré d'une poignée d'anges. Mon Dieu m'a promis que je marcherais jamais seul. Je me consumais à force de jouer avec le feu, et la boucane de mes choix m'envoyait constamment dans la fosse. Et j'étais aveuglé par tout ce que je consommais par mes yeux. La boucane de mes choix m'envoyait dans la fosse, mais je n'y voyais que du feu. J'étais prisonnier de tout plein de choses, mais surtout d'une vie sans Dieu. Et c'est pour ça que Jésus est descendu pour moi dans ce feu, pour réduire ce mal en cendres, pour m'élever, me guérir et me rendre pur comme de l'or à ses yeux. Y'a rien d'autre qui peut me rendre libre, y'a rien d'autre qui peut te rendre libre. Tout ce qu'on essaie de trouver sur cette terre pour se sentir vivre vient au même pattern. On a besoin seulement de Jésus, de sa grâce et de son pardon. Bonjour tout le monde, quel plaisir d'être en votre compagnie. Mon nom c'est Philippe, je suis un des pasteurs ici à Axe 21. J'ai l'occasion, j'ai l'honneur plutôt de vous souhaiter joyeuse Pâques à tous. C'est toujours un moment particulier quand on arrive à cette fête de Pâques. Et c'est drôle comment est-ce que tout le monde, quand on arrive proche de Pâques, on sort les cocos, on sort les lapins, on sort le chocolat, la fête est pognée, le congé aussi. Et c'est particulier de voir comment est-ce qu'on voit Jésus de Nazareth passer à la télé. On a comme toujours une espèce de petite nostalgie de religieux, un peu une nostalgie du passé, comme si Pâques devrait avoir une plus grande signification. Cette année encore, on n'y échappe pas. On se retrouve devant la fête de Pâques avec une année derrière la cravate qui est fort différente. Une année auquel chacun d'entre nous on a été confronté. On a été confronté à toutes sortes d'éléments cette année. On a été confronté à de la tristesse, du désespoir, de la maladie, du confinement, de la solitude, des déchirements, des divisions, des revendications, du reconfinement encore une fois, des fermetures, des faillites, des redivisions. On a eu l'occasion d'avoir espoir dans enfin la fin de la vague ou le début de la prochaine. En fin de compte, cette année, ça a été une année pas facile. Et le titre de... Et j'ai un court message pour vous. J'ai un message qui s'intitule le thème de toute cette matinée, du deuil à la victoire. Et je trouvais ça tellement à propos parce que cette année, ça a été une année de deuil. Une année où est-ce que plusieurs éléments ont pris fin dans nos vies. Plusieurs conceptions de la vie ont pris fin également. Plusieurs éléments, plusieurs familles ont vécu des deuils, plusieurs personnes ont vécu des grands découragements, plusieurs personnes ont vécu des solitudes comme jamais dans leur existence. Ça a été une année, on dirait qu'on a passé 12 mois dans le deuil. C'est assez particulier également parce que on se retrouve aussi devant un 21e siècle de deuil. Et on a un siècle, on est dans le siècle le plus séculier de l'histoire, mais en même temps le plus meurtrier que l'histoire de l'humanité n'a jamais connu.
On a plus d'inégalités que jamais, on a plus de guerres, de faim, sans mentionner la maladie. La maladie. La soif augmente parce que l'eau diminue, plus de croyances sans plus de valeur, plus de différents dieux sans plus de spiritualité. Le 21e siècle se meurt. Certes, différemment que les siècles antérieurs, mais le monde ne va pas mieux. Et ça me fait penser, en fait, en lisant la presse la semaine passée, je suis tombé sur un texte que je trouvais fort intéressant. Et je vous le lis. Qu'on soit croyant ou pas, la vieillesse, la maladie, la souffrance sont ou seront le lot de la majorité d'entre nous. C'est pourquoi il nous faut nous poser toutes les questions soulevées par cette réalité. Qu'est-ce que la vie? La mort est-elle un droit ou une conséquence de la vie? La souffrance est-elle un mal nécessaire? La fête de Pâques nous invite à réfléchir sur le sens de la vie. Et cette réflexion n'est pas réservée seulement aux croyants et aux chrétiens. Célébrer Pâques, c'est nous rappeler que le Vendredi Saint précède toujours le dimanche de Pâques. Mais il s'agit aussi d'un passage. Le passage est fait pour passer. Aujourd'hui, de plus en plus de gens, croyants ou pas, s'interrogent sur la vie, la fin de vie, sur la souffrance, sur la mort. Dans la situation où le passage s'éternise, peut-on et doit-on l'aider à passer? Joyeuse Pâques. Ça a été écrit par Raymond Gravel dans la presse. Et ça m'apporte différents questionnements. Est-ce que Pâques est encore aujourd'hui pertinent? Est-ce que Pâques est en 2021 encore pertinent? Pourquoi notre société accorderait une moindre importance à Pâques et à sa signification, à son sens profond? Est-ce que la vérité est morte? Est-ce que Pâques est mort? Tout le monde n'a jamais eu accès à autant d'informations, mais en même temps, on ne sait plus ce qui est vrai et ce qui est faux. On est dans une crise existentielle de la recherche de la vérité sans vraiment s'en préoccuper. Le plus on a accès à de l'information, plus on devient vide. Vide d'information, vide de vérité, vide de recherche, vide de sens, vide de vraies relations, vide de chercher sans trouver ou tout simplement ne plus chercher. Les gens ne savent pas à quoi ressemble vraiment Jésus, à quoi il sert. On arrive à Pâques, on se dit « Ah, la nostalgie du passé, dans le bon vieux temps, ça avait du sens. Maintenant, ça n'en a plus. » Mais en même temps, je sens autant le vide augmenter de façon continuelle. À force de penser que Pâques est à propos du chocolat, on finit par faire une crise de foi. Une crise de notre foi d'exister. Notre foi dans quelque chose de plus grand que juste nous-mêmes. Que notre vie, que notre petite routine, que notre travail, que notre boulot, notre routine qui recommence lundi après lundi après lundi. Et qui est complètement ébranlée cette année par une maladie qui vient complètement nous ébranler dans nos préconçus. 2 milliards de chrétiens en ce moment fêtent Pâques. Pourquoi? Le corps de la planète s'arrête un moment pour fêter quelqu'un qui est mort il y a 2000 ans. Il y a un calendrier du avant et du après Pâques. Il y a le congé pascal. C'est quoi ça, le congé pascal? Le congé de Jean Pascal? La liste de mots de Pâques, quand vous faites une recherche sur Google, vous allez trouver lapin, poule, chocolat, poussin, panier, fleurs. Mais il y a plusieurs mots qui sont oubliés ici. Tombeau, croix, Jésus, crucifixion, Nazareth, résurrection. Il vous manque plusieurs mots à votre signification de Pâques. Et laissez-moi revenir, et je veux passer juste quelques instants parce que mon but ce matin, c'est juste de s'arrêter quelques instants. Et oui, tu vas avoir besoin de quelques moments pour ouvrir ton esprit 2 secondes. Tu vas avoir besoin d'être ouvert. Ouvert à possiblement quelque chose de différent. Quelque chose qui peut et a le potentiel de changer ta vie. J'aimerais que pendant quelques secondes, tu puisses t'ouvrir avec moi à la Bible, à l'histoire sur laquelle est basée Pâques. L'histoire du deuil à la victoire. L'histoire de la mort à la résurrection. L'histoire qui a changé le cours de l'humanité. L'histoire qui a complètement bouleversé la planète et qui, encore 2000 ans plus tard, la bouleverse tout autant. Et je vais vous parler un petit peu du contexte de ce texte-là. C'est assez étrange parce que, vous savez, l'histoire de Jésus, c'est une histoire très connue. Une histoire où est-ce que les disciples suivent, dans le fait, c'est toutes sortes de gens. C'est des gens qui sont des pêcheurs, un collecteur d'impôts. Il y a d'autres gens qu'on ne connaît même pas leur métier, mais on sait que c'est des gens simples. Ils suivent Jésus et ils ont confiance en ce Jésus-là. Jésus, il dit des choses assez hors de l'ordinaire.
Il dit qu'il est le Fils de Dieu. Il dit qu'il peut pardonner les péchés. Il dit, en fait, il fait des miracles. Jésus, il dit des choses qui déstabilisent les religieux du temps. Jésus, il fait des choses qui déstabilisent les religieux et tout le peuple au complet. Jésus, c'est quelqu'un de pas normal. Et il y a 12 disciples qui le suivent. Il y a 12 disciples qui le suivent pendant 3 ans de son ministère. Et lors, et à un moment donné, les pharisiens finissent que par crucifier Jésus. Et Jésus meurt sur cette croix un vendredi saint. Et tous ses disciples s'en vont chez eux, se cacher parce qu'ils ont peur également de se faire attraper et de se faire mettre à mort. Et c'est assez particulier parce que c'est le grand deuil. Deuil de leur rêve, de leur espoir. Leur sauveur est mort. En fait, la personne qui devait les délivrer, de changer leur vie pour de vrai, de leur amener un espoir, un sens à leur vie, est mort. C'est comme si pendant 3 ans, les gars se sont dit, puis les femmes aussi, qui suivaient Jésus, se sont dit, « Wow, on a perdu 3 ans de notre vie. » Et en plus, on mettait tous nos espoirs dans ce Jésus-là. On a tout laissé tomber nos jobs, on a laissé tomber nos routines, on l'a suivi, on l'a cru, on a bu ses paroles. Et aujourd'hui, on est complètement désabusé, complètement déçu, attristé. Ça, c'est le contexte. Ils n'ont plus de Messie, plus de Sauveur. Il y a une mère qui s'appelle Marie qui n'a plus de fils. Il n'y a plus de croyants, plus de disciples, parce que Jésus est mort. Les disciples ont perdu tout. Et on se retrouve là. C'est sombre, c'est effrayant. L'avenir est incertain. Et moi, là, juste en traçant le contexte comme celui-là, ça ressemble à plusieurs d'entre nous en ce moment. Le Québec n'a jamais subi une plus grande vague de moments sombres. Le niveau d'insécurité, de dépression, de solitude et de tristesse n'a jamais été aussi haut. On a atteint un paroxysme inégalé. Une personne sur 5 et très bientôt 2 sur 5 souffrent de dépression, selon un sondage récent. On voit que le Québec s'entre-déchire. Il y a des gens qui disent « Legault devrait faire quelque chose ». Il y en a d'autres qui disent « Il devrait faire l'inverse ». Les gens ont des opinions. « Tu devrais te faire vacciner. Tu devrais pas te faire vacciner. » Le Québec est insécure par rapport à son avenir. Il ne sait plus s'il va avoir une job en revenant parce qu'il y a tellement d'entrepreneurs qui ont fait faillite durant cette même année 2020-2021. Et là, on se retrouve au même moment où est-ce qu'on est beaucoup plus proche du deuil que de la victoire. Puis on se dit « OK, ouais, ça remet un peu en question ce sur quoi je bâtissais ma vie. » Ma vie avait l'air quand même à aller bien. Je savais les prochaines années sur quoi j'allais l'enligner. Et là, je me retrouve complètement insécure. Je ne sais plus qu'est-ce qui va perdurer, si mes grands-parents vont rester vivants, si vraiment on ne va pas avoir une troisième, une quatrième vague, va-t-il avoir un vaccin efficace, peu importe. Et là, je parle juste de la maladie. Je pourrais parler de tous les autres éléments qui viennent occuper nos pensées en ce moment. Et des fois, la douleur, la crise et l'épreuve nous amènent seulement dans un questionnement, une remise en question sur le vrai sens de notre vie. Quelle belle opportunité cette année de s'arrêter pour réfléchir. C'est certainement un des beaux privilèges qu'on a eu cette année, d'avoir une espèce de pause dans nos vies pour réfléchir. À quoi sert ma vie? Sur quoi je la base? Est-ce que ma vie a du sens? Alors, je vous lis le passage dans Jean 20. Et c'est drôle parce que dans Jean 20, c'est le quatrième évangile. Le titre de Jean 20, la première partie, ça s'appelle « Le tombeau vide ». Et là, Jésus a été crucifié, a été mis dans un tombeau. Et là, je vous lis le verset 1. « Le dimanche, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin. » Alors qu'il faisait encore sombre, et elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se pencha et vit les bandelettes posées par terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le tombeau. Il vit les bandelettes posées par terre. Alors, l'autre disciple qui était arrivé le premier au tombeau entra aussi, il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris que, d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. J'arrête là un peu. Pierre, il a vu. Et c'est assez intéressant. Parce que le terme utilisé ici, « voir », a vu.
quand on prend la version originale, puis nous autres, en français, on a plusieurs termes qui existent pour traduire les mots. Et la Bible a été traduite, souvent du grec, de l'hébreu. Dans le terme original, le terme utilisé ici est « théoréo », pour « voir ». Et en fait, c'est assez intéressant parce qu'il y a plusieurs types de « voir » dans la Bible. Celui-là fait référence à... C'est comme s'il a regardé pour essayer de théoriser. C'est comme pas un mot, là, mais tracer une théorie, essayer de comprendre. Pierre, il rentre dans le tombeau puis il est comme « Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette affaire-là? Je vois des bandelettes dans un tas, dans un coin. Jésus n'est plus là. La pierre est roulée. Qu'est-ce qui se passe? » Alors, il fait un espèce de regard comme ça puis il se dit « Je suis en train de faire une théorie dans ma tête. » Alors, c'est assez intéressant parce que Pierre, il est en train d'essayer de comprendre. Il essaie de raisonner. Il essaie de raisonner d'une façon humaine. Jésus est mort. Il doit y avoir des personnes qui ont enlevé son corps. Il y a quelqu'un sûrement qui s'est organisé pour faire quelque chose. Il essaie de comprendre d'une façon humaine une circonstance qui n'est pas humaine. Et Jean, lui, le terme « voir » ici, on dit « voit » et « croit ». Et le terme n'est pas le même. Jean s'avance, il voit et il croit. Et le terme utilisé ici, c'est un terme qui fait référence à voir d'une manière profonde, d'une manière même quasi spirituelle. Jean est venu, est vu, puis c'est pour ça qu'on le mettait, on essayait de le paraphraser en français. C'est comme si Jean a regardé avec les yeux, il a vu avec les yeux de son cœur. Il a vu d'une manière, OK, mais supposons que j'étais pas limité par des circonstances humaines. Est-ce qu'il se pourrait que Jésus, il nous le dit depuis tellement longtemps, qu'il va ressusciter? Il a vu et il a cru. Et plusieurs d'entre nous, essayons de comprendre la Bible, essayons de comprendre la Pâque, essayons de comprendre Jésus sans jamais mettre l'aspect de foi. Ça prend un aspect de foi pour comprendre la Bible, mais ça prend aussi un aspect de compréhension pour avoir de la foi qui dure. La foi chrétienne prend beaucoup de foi, mais aussi de la compréhension. Si tu suspends ta compréhension, ta foi ne tiendra pas. Mais si tu cherches à comprendre sans foi, tu croiras dans une religion humaine et non dans une relation divine qui peut changer ton existence. Plusieurs personnes suivent une religion. Plusieurs personnes essaient de comprendre, essaient d'aller à l'église, essaient de gagner leur ciel sans jamais comprendre que ça n'a aucun rapport avec une religion mise en place par les êtres humains. Ça a le rapport avec une relation avec le Dieu de l'univers qui a envoyé son Fils unique mourir pour chacun d'entre nous. Et là, je continue. Le verset 10. Ensuite, les disciples repartirent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi, qui l'a emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » C'est assez intéressant parce que Jésus pose la question. Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Notre monde est vide. Les plaisirs ne nous remplissent pas, en tout cas pas longtemps. On cherche sans trouver. On est triste sans savoir pourquoi. On est tellement dans le deuil parce que la mort existe et on ne peut entrevoir que la résurrection est possible. On essaie de penser à notre monde et on essaie de se remonter le moral avec des éléments humains. On essaie de penser que la mort, c'est pas si grave que ça, c'est seulement une étape, mais on n'a rien à croire pour après la mort. Et il demande, qui cherches-tu? Qui cherches-tu? Où se trouve ton bonheur? Et c'est tellement intéressant parce que c'est une question profonde. C'est une question profonde parce qu'il est en train de poser une question existentielle. On pense qu'il est en train de poser la question à Marie, qui cherches-tu? Tu cherches Jésus? Mais en fait, il est en train de dire, qui cherches-tu? Cherches-tu Jésus l'humain ou Jésus Dieu fait homme? Cherches-tu quelqu'un que tu suivais, qui avait des belles paroles, qui était un grand leader, qui était inspirant à suivre, ou tu cherches quelqu'un qui peut te sauver et complètement racheter ton éternité? Est-ce que tu penses d'une manière humaine, comme Pierre qui regardait en essayant de trouver une théorie humaine à ce qui se passe, ou tu regardes avec les yeux de ton cœur, avec la foi, qui va t'amener dans une relation divine avec le Créateur de l'univers, qui va changer ton désespoir en espoir, qui va changer ton deuil en victoire, qui va changer tes circonstances actuelles parce que tu ne regardes plus avec les mêmes yeux? Que cherches-tu? Souvent,
notre existence dépend, ou notre façon de regarder notre existence dépend avec quels yeux on regarde notre existence. Notre travail, notre famille, nos amis, nos relations, valeurs, santé, moment présent. Comment est-ce que ça, souvent, c'est ce qui constitue la base de nos vies? Mais on se rend compte que c'est éphémère, que c'est passager, que ça peut être ébranlé en une fraction de seconde. Verset 16, Jésus lui dit, « Marie. » Jésus lui dit, « Marie. » Et moi, je trouve ça tellement beau, là. Parce que Jésus s'adresse d'une façon personnelle à chacun d'entre nous. Jésus ne s'adresse pas à une multitude. Il s'adresse à toi ce matin. Il s'adresse à chacun d'entre nous d'une façon personnelle. Il t'appelle par ton nom. Et il te connaît personnellement et profondément. Il l'appelle ici Marie. Et c'est à ce moment-là, elle se retourna. Et elle dit, « Maître. » C'est là qu'elle l'a reconnu. C'est là que Jésus a touché son cœur. C'est là que ses yeux ont changé de regard. C'est là que les yeux de son cœur se sont ouverts. Puis là, elle fait, « Oh, wow, OK. Je cherchais Jésus humain, mais moi, ce que je dois voir, c'est un Jésus divin. » Un Jésus qui n'est pas mort sur la croix, pas le grand leader que je suivais, qui allait sûrement nous libérer d'une façon politique ou d'une façon humaine, mais d'une façon divine, à notre coupure avec Dieu. Jésus, c'est intéressant parce que ça continue, le verset 18, il est écrit, « Marie de Magdala, elle a annoncé aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit cela. » C'est tellement intéressant parce que la première disciple de l'histoire de l'humanité, ça a été Marie. La première envoyée pour annoncer le message, ça a été Marie. Et dans un siècle comme ça de misogynie, où le témoignage des femmes n'était même pas reconnu, Jésus reconnaît la valeur dans chaque être humain. Homme, femme, n'importe quelle couleur, n'importe quel niveau social, Jésus aime d'une façon égale, d'une façon complète et entière tous les êtres humains. Non pas basé sur ton niveau social, non pas basé sur ton titre, les éléments, le nombre d'argent que tu gagnes par année, mais Jésus aime chacun de ses enfants. Jésus, et on continue, c'est intéressant parce que il y a un commentateur que je lisais cette semaine qui disait la vision de Marie de Jésus était trop petite. Sa vision de Jésus était qu'il était un homme pieux, faiseur de miracles, un grand enseignant, un homme aimant, un homme seulement. Sa vision du monde ne lui permettait pas de voir plus en Jésus que cela. Et la même question s'adresse à chacun d'entre nous ce matin. Qui cherches-tu? Pour qui regardes-tu? En qui regardes-tu pour trouver ton espoir sur cette terre? Un faiseur de miracles? Un appui dans les moments pénibles? Un accompagnateur de vie? Jésus doit se révéler à elle. Jésus voulait que Marie reconnaisse que peu importe la grandeur de sa dévotion pour lui, elle conservait tout de même une vision infiniment trop petite de qui il est vraiment. Jésus revient pour se révéler complètement différemment qu'un super-héros le ferait. Jésus se présente avec douceur et il s'intéresse à elle personnellement. Il l'appelle par son prénom. Peu importe comment pieuse était Marie, on le voit dans les évangiles, et bonne disciple de Jésus, elle n'aurait jamais pu trouver Jésus, le vrai Jésus, si Jésus ne serait pas venu à elle. Marie cherchait Jésus, mais un Jésus mort. Un Jésus humain. La foi est impossible d'un point de vue humain sans l'intervention de Dieu qui te rencontre personnellement. Et ce matin, c'est pour ça que j'ai commencé en disant, est-ce que tu es ouvert à ce que Dieu veut faire dans ta vie? À la rencontre que Dieu veut opérer dans toi, à cette rencontre avec les yeux de ton cœur qui s'ouvrent peut-être la première fois de ta vie. Jésus l'appelle par son nom. Nous sommes tous à la recherche, dans un moment ou à un autre dans nos vies, de notre identité propre, d'une identité qui va être aimée, une identité qui va être aimée d'une façon inconditionnelle, d'une façon qui va être personnelle. Et c'est exactement ce que Jésus fait avec Marie. Il l'appelle par son nom et elle se retourne, elle dit « Maître, mon Seigneur et Sauveur. » Et là, le dernier verset de ce passage-là, « Ce livre a été écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle en son nom. » Voyez, la Bible, tu peux la lire de plein de façons. Tu peux la lire d'une façon complètement théorique. Tu peux la lire d'une façon un peu détachée. Un peu analytique. Tu peux la regarder avec des yeux de
j'essaie de voir les théories qui s'y trouvent, les bonnes valeurs qui s'y trouvent. Mais tu peux échapper la rencontre personnelle avec Jésus. Tu peux complètement passer à côté du but de ce livre. Ce livre a été écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. La Bible, c'est un livre de vie. Ce n'est pas un livre de théorie. La Bible, c'est un livre qui permet que tu puisses rencontrer un Jésus, pas un Jésus humain, un Jésus divin. Un Jésus qui peut transformer ton histoire, transformer ton existence et le sens de ta vie. Te donner un espoir renouvelé systématiquement, peu importe les circonstances dans ton entourage, peu importe les difficultés, le désespoir, Dieu te donne un nouvel espoir qui réside dans cette résurrection. Pâques, est-ce que Pâques a réellement à voir encore aujourd'hui? Tout à fait. Pâques nous permet d'avoir un regard complètement différent sur notre existence à tout moment. J'aimerais vous laisser pendant quelques minutes avant de revenir pour la conclusion. J'aimerais ça qu'on puisse commencer avec ce chant qui fait référence exactement à ce que Jésus a fait à la croix, à ce que Jésus a sacrifié à la croix pour chacun d'entre nous. Que tu puisses écouter ce chant en ouvrant non pas tes yeux qui essaient de trouver une théorie, mais avec tes yeux qui vont s'ouvrir de ton cœur. On se revoit tantôt. Alléluia. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Alléluia veut dire gloire à Dieu. Et ce chant-là, ce refrain-là plutôt, je peux facilement l'imaginer quand Jésus ressuscite, les anges chantaient
Alléluia. Gloire à Dieu, tu es saint, tu es saint. Du moment le plus sombre de la vie des disciples, du moment le plus sombre de la vie de Jésus, où est-ce que la défaite semble imminente? Où est-ce que la mort semble imminente? La fin de tout ce qui pourrait être positif? Et là, revirement de situation. Revirement de situation, puis c'est là où est-ce que tout le monde, a, si on regardait, on s'éloignait un petit peu, on regarde le scénario et on se dit tout, wow, Dieu a vraiment échoué. Dieu a envoyé son fils pour faire de quoi de grand puis de changer les choses et il finit sa croix. Ils l'ont pogné puis ils l'ont crucifié. Échec lamentable. Tous les êtres humains qui regardaient à cette situation-là, à ce moment-là, se disaient, wow, Dieu s'est vraiment planté. Mais en fait, c'était l'inverse. Son plan était parfait, il était parfaitement planifié, et ce que Dieu voulait n'était pas de sauver les gens d'une oppression politique quelconque, mais il voulait sauver les gens de nous-mêmes, de notre propre cœur de pécheur. Vous savez, il y a un passage qui m'a toujours beaucoup frappé, qui se retrouve dans 1 Corinthiens 15, le verset 17, qui dit « Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les êtres humains. » Ce verset-là me parle beaucoup parce qu'il fait exactement référence à Pâques. Ce verset-là est en train de mentionner que si Jésus n'est pas ressuscité, en fait, notre foi ne sert à rien. Notre foi, notre christianisme ne sert à rien. On croit dans un Jésus mort, un être humain tout simplement qui est mort. Si Jésus n'est pas ressuscité, toutes ses paroles, toutes ses promesses, toute sa personne, tout son plan, il est mort. Si par contre il est ressuscité, si par contre Jésus est sorti du tombeau, ça change complètement. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il a dit revient à la vie. Tout son plan devient effectif. C'est assez intéressant parce qu'à chaque fois que je rentre dans un salon funéraire, même d'une personne la plus athée, la personne qui méprise le plus Dieu, la personne qui est la moins croyante sur la terre, à chaque fois qu'on rentre dans un salon funéraire, presque immanquablement, on entend ce genre de paroles. « Ah, il est mieux où est-ce qu'il est? Ah, il est plus heureux, au moins il ne souffre plus. » Au moins, il va davantage être bien là où il se trouve maintenant. C'est assez intéressant comment est-ce que tout être humain aspire à croire à la vie après la mort. Que tu veux absolument rejeter la présence de Dieu parce que tu ne veux pas qu'il y ait un autre Dieu au-dessus de toi. On aspire tous, on dirait qu'on a cette pensée de l'éternité en dedans de nous. On a tellement à cœur, on a tellement le sentiment qu'il y a plus que juste la vie que l'on mène en ce moment. Que notre vie n'est pas juste un amas de chair qui se rassemble ensemble et qui respire ou qui arrête de respirer. On a beaucoup de difficultés à croire que notre vie ne sert à rien, qu'elle n'a aucun sens. En fait, ça nous mène tout droit au désespoir. Pourquoi réussir? Pourquoi continuer à souffrir si notre vie ne sert strictement à rien? Si notre vie actuelle est seulement des gens qui s'entrecroisent et qui sont supposés d'interagir d'une façon complètement biologique, tout simplement et seulement biologique. Notre vie, notre âme, c'est quelque chose qui est éternel. C'est quelque chose, et cette pensée-là, et moi, là, ce passage-là qui me rappelle toujours par rapport à la pensée de l'éternité. Tu peux parler de spiritualité, et ce n'est pas controversé, mais quand tu parles de Jésus, il y a une réfraction. Il y a une réfraction à dire, je veux Jésus qui fait des miracles, mais je ne veux pas Jésus qui devient mon sauveur. Je veux Jésus qui dit des belles paroles et qui est un leader, mais je ne veux pas Jésus un sauveur. Je ne veux pas un Jésus trop grand parce que je ne veux pas qu'il me dépasse. Je veux un Jésus que je peux contrôler. Un Jésus religieux, ça me va, mais un Jésus tout-puissant, ça ne me va pas. Et c'est là où est-ce que notre problème depuis le début de l'humanité, c'est que tout être humain sont...
sont coupés de la présence de Dieu à cause du péché qui nous anime. En fait, ce n'est pas un problème, c'est 8 milliards de problèmes. 8 milliards. Notre problème, c'est que le péché, c'est de désobéir systématiquement et continuellement, d'être habité par cette nature pécheresse et d'être égoïste envers les autres. On croit que Dieu va nous limiter, mais on ne se rend pas compte comment le péché nous contrôle et nous limite. Nos pulsions détruisent nos couples, nos relations, nos enfants, nos villes, nos relations dans toutes les sphères de notre vie. Jésus n'est pas venu juste pour pardonner nos péchés, mais pour briser la puissance du péché. Ça ne me concerne pas, peut-être, mais tout ce mal-là réside en chacun de nous et ça, c'est notre plus grand problème. On a besoin que le monde change, mais le problème, c'est qu'on n'est pas capable de changer sans Dieu. On a toujours tendance à penser que ça prend juste des bons êtres humains. Et si on serre les coudes, on va y parvenir. Mais plus qu'on met l'emphase sur l'être humain, et plus qu'on est déçu par l'être humain. Et c'est exactement le plan de Dieu. Dans Romains 3, 23, il est écrit « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Mais dans Romains 3, 24, il est écrit « Et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus. » Ce Jésus-là qui n'est plus mort, mais qui est ressuscité. C'est une bonne nouvelle. Quand Jésus est à la croix, il dit « Tout est accompli ». Mais qu'est-ce qui est tout accompli? Tout accompli de prendre le fardeau et le péché qui nous habite tous pour le mettre à mort, puis le vaincre par sa résurrection. Dieu tourne des fins abruptes, des fins désespérées en nouveau départ, en nouvelle vie. Pourquoi tout le monde aimerait croire en la résurrection? Parce que tout le monde aimerait croire dans un avenir plus glorieux. Parce que cela apporte nos vies à avoir un but. Parce qu'il y a une vie après la mort. Parce que chaque action a une signification. J'ai une cause pourquoi vivre enfin. Parce que les souffrances sont temporaires. Parce que Dieu a un plan pour ta vie. Lorsqu'on regarde autour de nous, c'est facile de voir que le monde ne va pas bien. La planète se meurt. La vie meurt. Le monde s'entre-déchire. Quel espoir reste-t-il du deuil à la victoire? Dieu me donne une nouvelle vision du monde, des gens, de la vie. Dieu me permet de vivre pour lui, parce que je sais que mon avenir est dans sa main. Dieu m'aime, alors je peux aimer, donner, servir. Je peux être enfin l'humain qu'il m'a construit pour être. Ma relation avec Dieu me donne un espoir renouvelé, parce que ma vie n'est plus qu'un moment sur le continuum de mon existence. Ma joie ne repose plus sur les circonstances, mais sur le fait que je suis aimé, pardonné, supporté et dirigé par un Jésus qui a tout donné pour moi. Mon avenir et ma destinée ne reposent plus sur ce que je suis en mesure d'accomplir par mes forces ou mes échecs, mais sur une victoire acquise chèrement à la croix et par une résurrection glorieuse qui me garantit une nouvelle identité scellée et une assurance stable et immuable. Peu importe la noirceur, les épreuves, les échecs, la maladie, les difficultés, la victoire de mon existence est assurée par la résurrection qui me pointe à une réalité éternelle qui ne peut ni se détruire ni se flétrir. Du deuil à la victoire, c'est d'enfin regarder ce que Jésus a fait, non pas avec tes yeux humains, tes yeux d'analyse, mais les yeux de ton cœur qui regardent à un Sauveur divin. Pas un Jésus humain mort, mais un Jésus tout-puissant qui est mort pour chacun d'entre vous, mais surtout ressuscité pour te donner une victoire et un regard renouvelé de ton avenir. Joyeuse Pâques à tous, ça a été un plaisir d'être à votre compagnie.
dès le moment où vint l'obscurité, la mort réclame la victoire. Le roi d'amour renonça à sa vie au plus sombre jour de l'histoire. Sur une croix bâtie pour les pécheurs, son sang couvrit l'iniquité. Un dernier souffle et tout fut terminé, mais d'une manière inachevée. Car la terre fut volée, le roi déchiré. Quel est donc ce sacrifice pour que les cieux
puis tu es venu. Tu as restauré mon âme et chaque désir est comblé en toi, en ton amour. Oh! Rien n'est meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur.
Wow! J'espère que vous avez apprécié ce moment-là avec nous. Si vous avez vraiment apprécié le contenu, si vous avez apprécié les temps de musique, de louange, si vous avez apprécié le message et vous croyez fermement que quelqu'un de votre entourage, au moins seulement une personne, a besoin d'entendre ça, a besoin de vivre, d'entendre, d'écouter, envoie-lui le lien. Partage-le sur les réseaux sociaux parce qu'on croit vraiment que ce message-là, quelqu'un a besoin de l'entendre. Un Québécois, une Québécoise a besoin d'entendre ce message-là. Et c'est pour ça qu'à Axe 21, on existe. Donc, vous, présentement, vous le regardez en ligne, mais il y a des gens qui, présentement, le vivent en personne, directement au Théâtre Magog. Et présentement, Axe 21 réouvre leur réunion de matinale. Donc, à partir de la semaine prochaine, même du 11 avril, nous sommes ouverts à ce que vous puissiez vivre Axe 21 en personne. Alors, c'est accessible aujourd'hui. Et en fait, c'est que à chaque semaine, vous allez pouvoir vous inscrire pour une des deux célébrations que nous avons. Nous avons la célébration de 9h et la célébration de 11h, OK? Donc, comment s'inscrire? Il suffit d'aller sur le axe21.com et par la suite, directement sur la page d'accueil, vous allez avoir la méthode de pouvoir vous inscrire, vous sélectionner vraiment l'heure que vous voulez, soit 9h ou 11h. Et par la suite, vous pouvez même inscrire si vous avez des enfants. Nous avons le service de Axe Mini qui est là pour prendre soin de nos enfants et de leur enseigner également des choses pour leur âge, fait pour vraiment leur quotidien à eux et pertinent pour eux également. Donc, vous pouvez tout de suite suivre le formulaire d'inscription pour réserver votre place et c'est gratuit. C'est seulement vu que notre salle est limitée avec la distanciation et les protocoles sanitaires. Nous sommes limités en fait de personnes, mais vous pouvez assister. Donc, dès demain, dès lundi, vous pouvez vous inscrire sur, je le répète, le axe21.com pour assister à une de nos deux réunions. Sinon, vous pouvez toujours continuer à nous regarder tous les matins sur vraiment notre page Facebook ou YouTube de l'église Axe21. Ceci dit, je veux vous inviter à continuer à nous écouter et à nous suivre. Dès la semaine prochaine, dès le 11 avril, nous débutons une nouvelle thématique qui s'appelle le scandale de Jésus. Le scandale de Jésus. En fait, je ne sais pas si vous le savez, mais suite à la Pâque, tout ça, tout ce que Jésus a fait sur Terre, c'était un scandale à ce moment-là. Et ça l'est encore pour nous aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui est scandaleux avec Jésus? On s'en parle à partir de la semaine prochaine. Ceci dit, bonne Pâque et à la prochaine. Bye tout le monde.